herself. Lorsqu'elle s'est remarquée, she was accepted. Elle a été acceptée. You say your husband is not touching you. Tu dis que ton mari te touche pas. Rebrand yourself. Il faut te remarquer. You'll be the one to say, "Oga, go work." Tu seras celle qui va dire, "Oga, pas au travail." Yes, visitors are not coming. Tu dis que les visiteurs ne viennent pas. Rebrand yourself. Il faut te remarquer. You'll be the one tired of proposals. Tu seras fatigué de demandes. Rebranding is very strong. Remarquez tellement fort. Every organization you see standing today. Toute entreprise qui se tient aujourd'hui. They employ this wisdom of rebranding. Ils mettent cette sagesse de rebranding. Now I see our telecommunications here, MTN. Notre télécommunication MTN. Every season they'll bring a new program. Chaque saison ils vont apporter un nouveau programme. MTN this. MTN ceci. MTN this. MTN ceci. MTN meet you. MTN ceci. MTN this. MTN ceci. It's a way of rebranding. C'est une manière de remarquer. Because when you stop rebranding, you start fading. Parce qu'au moment tu arrêtes de marquer, tu commences à déborder. And so if you overflow in marital sweetness, donc si tu vas déborder, and sustain an atmosphere of sweetness in your marriage and relationship, et garder une atmosphère de sucrerie dans le mariage et relation, learn to rebrand. Apprends à remarquer. Rebrand your cooking. Remarque. Your husband knows you are the most professional fufu cooker. Ton mari te connaît comme une. Shift to rice. I'm telling you. Je te dis. In sexual relation for those who are married. À ces relations sexuelles pour ceux qui sont mariés. Rebrand. Il faut remarquer. Don't always sleep like as a board of slate. Ne te couche pas juste comme. Rebrand. Il faut te remarquer. Rebrand. Il faut te faire remarquer. That way, you sleep with you on a bed for 2 months, you are not touching. C'est pour cela qu'il dort avec toi. Well, look at you, see a board of slate. Lorsqu'il te regarde, il voit un. On a slab called bed. C'est un slab appelé le lit. Rebrand. Il faut te remarquer. Rebrand. Il faut te faire remarquer. Rebrand your hairstyle. Il faut remarquer. You know, I like to plant my bacala because it is stay. Que j'aime moi me tresser les nattes parce que. Now right now you are planting, you can't make your hair like this. Maintenant tu tresses, tu viens ta. The man don't see as anything. L'homme là ne voit pas comme quelque chose. He has seen the same style for the past 12 years. Parce qu'il a vu ces mêmes coiffures pendant 12 ans. Rebrand. Il faut te faire remarquer. Rebrand. Someone say rebrand. Quelqu'un dit se faire remarquer. Someone say rebrand. Quelqu'un dit se faire remarquer. So if you will sustain. Si tu vas garder, you will sustain. Tu vas sustain. Sweetness. La sucrerie. Your marriage and relationship. Dans ton mariage et relation. Every season rebrand. Toute saison, il faut te faire remarquer. There are some men they don't know how to communicate love. Il y a certains hommes qui ne connaissent pas communiquer. They have only one love language. Ils ont juste un mot. Rebrand. Il faut te faire remarquer. One day you met the other day. Lorsqu'il fait comme ceci, c'est quoi? Pourquoi tu me déranges? Oh, you don't know. Quand tu fais ainsi, tu cours dans la chambre. Rebrand. Il faut te faire remarquer. Rebrand. Il faut te faire remarquer. That's your own way of inviting my daughter to the room here. C'est d'inviter la femme dans la chambre. C'est sa manière d'inviter. Il faut te faire remarquer. Ah non, mais tu sais pas, tu pas dormir, pas te toucher, pas dormir, pas dormir. Rebrand. Il faut te faire remarquer. Rebrand, why? Il faut te faire remarquer. Amen. Amen. Another activation. Une autre activation. To sustain sweetness. De garder ses sucreries. In marriage and relationship. Dans le mariage et relation. Is that they must be focused. C'est que il doit avoir des focales. When your marriage and relationship. Lorsque ton mariage et relation. Lost focus. Perd de focalisation. The sweetness begin to die. Ses sucreries commencent à mourir. Begin to die. Ça commence à mourir. Maybe you fell in love with somebody. Peut-être tu es tombé amoureuse de quelqu'un. Because you saw the person serving God. Parce que tu as vu cette personne qui servait Dieu. The moment the person stop being focused in serving God. Le moment où il s'arrête de servir Dieu. Unconsciously. Inconsciemment. Your love for that person begin to die. Ton amour pour cette personne commence à mourir. You know you do it, though. Ce n'est pas toi qui fais cela. Because marriage is intended for purpose accomplishment. Parce que le mariage est là pour accomplissement de but. Marriage is intended for purpose accomplishment. Le mariage est placé pour l'accomplissement de Genesis 2 verse 18. Dans Genèse 2 18. He said, I will make a help meet. Il dit, je te ferai une aide. A helper for him. Une aide. A help meet.
Une aide. A helper. Une aide. So whenever there is nothing to help, chaque fois qu'il y a rien pour aider, no responsibility to help, il y a pas une responsabilité pour aider, the sweetness begin to go down. Cette sucrerie commence à. Every time a woman or a man, chaque fois qu'un homme ou femme, is joining hands with the spouse to accomplish something, rassemble les mains avec son époux pour accomplir quelque chose, a destiny, ou une destinée, there's a joy in that marriage. Il y a une joie dans ce mariage. One day, mama called me. Un jour, ma maman appelé. Je papa, I'm not happy. Et papa, il s'est pas fier. I said, big mommy, why are you not happy? Il dit, grand mère, pourquoi tu n'es pas fier? I said, I give you the most of the things you like, you want. Il te donne beaucoup de choses que tu veux. That's not what I'm talking about. Il dit, ce n'est pas ce que je parle. I said, I make you laugh. Il dit, je te fais rire. She said, that's not what I want. Il dit, ce n'est pas ce que je veux. I said, I call you Mama Luz. Il dit, je t'appelle Mama Luz. She said, I know what I want. Il dit, ce n'est pas ce que je veux. I said, what is it that worries you? Il dit, quoi est-ce que tu dérange? Told me she's not happy. Elle m'a dit, elle n'est pas contente. That season. En cette saison. Then she told me. Et elle m'a dit. She said, we are not going out for evangelism as we used to go out as a family. Quand on sort pour évangéliser comme on sortait comme ça. I said, but I go for evangelism. Il dit, mais je pars pour l'évangélisation. I go for evangelism. Je pars pour l'évangélisation. I preach almost every day. Je prêche presque chaque jour. He said, but I like it when we go as a family. J'aime quand on part en tant que famille. Somehow, I saw sense in what she was saying. D'une manière ou à l'autre, j'ai vu le sens de ce qui est parlé. Focus. Focalisation. If your marriage and relationship, si ton mariage et relation, will not lose essence, ne va pas perdre son importance, virtue, sa vertu, and sweetness, et sa sucrerie, they must keep the focus. On doit garder ses focus. Before you marry that man, avant que tu épouses cet homme, before you accepted the proposal of that man, avant que tu acceptes cet homme, what was your motivation? Quoi t'a motivé? So long as that motivation is no longer intact, tant que cette motivation n'est plus intacte, love must be affected. L'amour sera affecté. Sweetness must be affected. La sucrerie sera affectée. Keep focus. Il faut garder ses focalisations. By focus, I mean the family should have a vision. Je veux dire, la famille doit avoir une vision. A vision. Une vision. You don't enter a relationship with a lady. Tu entres juste une relation avec. She accepts your proposal. Elle accepte. And the relationship is going nowhere. Et la relation n'avance pas. There is no pointer. There is no vision. Il y a pas de vision. Somehow, the sweetness will die. D'une manière ou l'autre, cette fierté va mourir. The excitement will die. Cette fierté va mourir. One way to keep sweetness in a place, une manière de garder la sucrerie en place, and even in relationship, et même en relation, is